Et salut tout le monde, c'est FBI. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de lutte sur Call of Duty Black Ops 2. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment sortir de la map Rush. Donc je vais vous montrer ça en live. Et je vous montre ça parce que j'ai trouvé un glitch pour sortir, écoutez bien, de toutes les maps de Call of Duty Black Ops 2. Donc je dis bien de toutes les maps, il y en a aucune qu'on ne peut pas sortir. Ou alors si on ne peut pas c'est juste une ou deux. Mais donc j'ai trouvé un glitch pour sortir de toutes les maps de Call of Duty Black Ops 2 et d'aller sur tous les toits possibles, donc on ne peut pas aller logiquement. Donc là je vais vous montrer comment sortir de la map Rush. Donc pour avoir Rush il faut le pack Vengeance, donc si vous ne l'avez pas vous pourrez pas faire ce glitch. Mais vous pourrez quand même le faire sur toutes les autres maps et ça je le ferai dans d'autres vidéos. Donc pour avoir le téléporting glitch, donc c'est comme ça que ça s'appelle, vous allez dans Code TV, les plus populaires, partie personnalisée. Et vous prenez la capture de drapeau qui s'appelle Who of Map 2.0. Donc ensuite, vous choisissez la carte. Moi, j'ai pris Rush. Vous lancez. Voilà. Donc, je tiens juste à préciser que toutes les vidéos, vous verrez des Out of Map ou des spots sur des toits qu'on ne peut pas aller et tout. C'est tout moi qui les ai trouvés. J'ai pas cherché sur YouTube. C'est tout moi qui ai trouvé, ou alors j'ai fait avec mes potes et tout, mais en aucun cas j'ai cherché sur YouTube, donc dites pas dans les commentaires ouais il recopie je sais pas trop qui, parce que ça se fait pas trop parce que j'ai tout trouvé tout seul. Donc là je vais vous montrer comment sortir de Rush derrière le portail là. Donc là vous apparaissez, vous prenez l'équipe SEAL, là il y a une voiture de police avec un grillage, donc je vais vous montrer comment aller derrière, donc vous vous retrouverez là-bas. Voilà, donc là je vais m'expliquer, suivez-moi. Vous allez aller dans le magasin, devant la télé, là vous mettez dans le coin, tranquille. Changez d'équipe, FBI, vous choisissez votre classe, vous refaites changer d'équipe, vous faites ESA, vous choisissez votre classe, et vous le refaites avec milice, sauf que cette fois-ci vous appuyez sur carré pour réapparaître. Et donc là vous allez apparaître sur un petit rebord, qui est... c'est vraiment cool, parce que un petit rebord comme ça, on ne peut pas aller normalement sur ce petit rebord. Donc là vous pouvez poser votre insertion tactique ici. Voilà, pour ma part je vais la reprendre, je vais pas la mettre là. On va la mettre voilà par là. Donc regardez là je suis bien sorti de la map rush. Tout à l'heure on était derrière le grillage là. On est juste ici là. Il y a à peine 2 minutes, même pas. Et là on se retrouve de l'autre côté. Donc je dis que c'est un des meilleurs out of map de Black Ops 2. Parce qu'il y a quasiment aucun trou noir. Mis à part là dans l'herbe, là il y a un trou noir. Ça je l'avais vu parce que j'étais tombé dedans sur exprès. Donc il y a un trou noir dans l'herbe. Sinon regardez là, vous pouvez sortir. Voilà, regardez, je sors du parking. On s'en fout. Voilà, et là vous pouvez marcher sur la route. Donc c'est assez étrange. Moi j'étais assez surpris que Triage n'avait pas mis de trou noir sur la route. J'étais assez surpris, ça m'a... J'étais content parce que souvent quand il y a un out of map on peut presque pas bouger. Je sais pas si vous vous souvenez sur la map Nocta on ne pouvait pas bouger et tout. Et là on peut aller sur la route, sur les montagnes. Donc là c'est vraiment cool parce qu'on peut vraiment aller partout. Là si vous avez un sniper vous pouvez vraiment défoncer vos amis, mais à un point vous pouvez tout faire. Donc là vous pouvez aller sur la route, vous pouvez aller un petit peu partout. Donc voilà, je sais pas encore où on peut aller. Donc après sur cette carte, je connais plein de spots. Je pourrais vous en citer une dizaine. On peut aller sur tous les toits de la carte, on peut vraiment aller partout. Donc c'est vraiment cool ça, je vous le montrerai peut-être dans une autre vidéo. Là on peut traverser cette petite haie là qui ne sert à rien. Et c'est là quand même qu'on voit à quel point Triarch ont quand même travaillé sur la carte. Parce que au lieu de faire juste la carte là et autour faire plein de trous noirs comme certaines cartes, bah celle-là ils ont quand même bien travaillé parce qu'ils ont mis des poteaux, ils ont mis une route. C'est vraiment cool. Après il y a je suis pas chez Triarch, donc je sais pas si c'est un gros travail de faire ça, mais en tout cas c'est vraiment cool parce qu'on peut vraiment aller partout. Je sais je me répète beaucoup, mais là c'est vraiment épique, c'est tout off map. Donc après on peut aussi aller autour du paintball. Chercher mon mot, je trouvais pas. Voilà, on peut aller autour. Là, c'est vraiment cool. Là, c'est vraiment un spot épique. Parce qu'imaginez-vous, là, vous êtes à la mitraillette ou au sniper. Là, vous voyez vos potes, vous les défoncez. Là, ça peut être vraiment cool pour troller. Là, en plus, vous pouvez voir là en dessous. C'est vraiment cool. Voilà, donc, je vous reprécise encore avant que la vidéo se termine. C'est moi qui ai trouvé le top map.
Donc n'hésitez pas vraiment à liker parce que c'est quand même assez difficile de trouver des out of map. Des spots c'est facile, mais des out of map, il n'y en a pas toujours. Il y a certaines cartes où il n'y en a pas, mais la plupart il y en a, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai déjà fait sur Nocturne. Donc sur Nocturne, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Ça, je vous avais pas dit que c'était moi qui l'ai trouvé. J'avais vu ça, c'était un glitch. Donc je vous l'ai présenté parce que c'était vraiment un glitch cool. Et là, vous pouvez retourner sur le paintball. Donc là, en fait, là, vous n'êtes pas dans le paintball, en fait. Là, vos amis n'ont pas accès ici, là. Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, en fait. Vos amis n'ont pas accès ici, là, en fait. Ils ont accès de l'autre côté des filets, là. Ouais, je me disais bien que les filets, ils étaient pas très hauts. Mais donc, vous, ça veut dire que vous avez un paintball à vous. Vous êtes tranquille et tout. C'est vraiment cool. Vous invitez vos amis, vous leur dites « Ouais, venez, on se fait un petit paintball, là, vous mettez ici, tranquille. » Je peux vous dire qu'ils vont vous chercher et qu'ils vont bien galérer à vous trouver. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse des out of map ou des trucs de ce genre-là. Même si Call of Duty est un peu vieux et un peu mis de côté, c'est pas grave, moi j'aime bien les out of map, donc j'en fais. Et voilà, donc sur ce, je vous dis ciao tout le monde, bye.